Salut tout le monde, c'est Risse33 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va unboxer la poupée LOL OMJ Candylicious. Donc voici la boîte. On a son prénom marqué sur le côté ici, un logo LOL OMJ sur le haut. Vous avez 20 surprises à l'intérieur. Et dans cette collection, on a donc Candylicious, celle qu'on va découvrir aujourd'hui, Miss Independent et Busy Baby et Alt Girl que vous pouvez du coup retrouver sur ma chaîne en cliquant sur le petit i juste en haut. Ici, on a sa petite sœur. Pour déballer la poupée, en fait, vous avez juste à tirer cette partie ici. Donc, on découvre du coup la magnifique Candylicious. Elle est vraiment trop belle, trop splendide, j'adore. Et sur l'autre côté, ici, vous avez toute sa partie accessoire. Et si vous tirez, vous pouvez découvrir la poupée. Elle est trop, trop jolie. Quand vous ouvrez tous les accessoires, du coup, vous avez accès à une petite pièce comme ça, avec des bonbons. Encore des bonbons. Et là, on voit une petite Lala Loopsie, trop mignon. Alors, au niveau des accessoires, on a une première pochette comme ça, trop mignonne. On a sa petite tenue à l'intérieur, donc là il s'agit d'une petite jupe. Elle est trop jolie, donc elle est un peu imitation cuir avec un espèce de lacet ici rose brillant. Ici c'est brillant aussi et elle a une petite ceinture blanche avec une petite pochette ici, trop trop chou. Vous avez également le petit portant qui est rose pastel. Deuxième pochette, on a ensuite une autre. Donc celle-là, je la trouve trop trop jolie. Je vous laisse regarder, elle est magnifique. Et dans celle-ci, on a son petit haut qui se présente comme ça. Trop mignon. Alors, on a des manches bouffantes de la même matière que le cuir de la jupe du coup. Un bleu pastel et un bleu normal. Et ici, du coup, un peu plus souple. Une version holographique, trop trop beau. Avec son petit portant jaune pastel. Ensuite, on a sa boîte à accessoires qui se présente comme ça. Les bleus pastels aussi. On a enroulé, du coup, dans du papier. Waouh, on a plein d'accessoires. Alors, donc pour commencer, on a son petit collier qui se présente comme ça. Qui fait un peu col Claudine avec un espèce de choker blanc, trop beau. On a ensuite ces petites boucles d'oreilles qui sont vraiment trop mignonnes. Donc ça fait un peu des espèces de gâteaux. Une en forme de lapin et une en forme de petit ours. Trop trop chou, j'adore. Et là après, vous avez du coup ces chouchous. Donc il y en a deux roses comme ça, rose pastel, et deux jaunes pastels comme ça. Ensuite, on a sa petite boîte à chaussures. Donc elles se présentent comme ça, elles sont trop belles. Avec un petit nœud sur le devant, vraiment trop trop jolie, j'adore. Et on a ensuite la partie qui se trouve du coup derrière le dressing avec la poupée. Et il s'agit de son petit sac à main que je trouve absolument magnifique, il est trop trop beau. J'adore. Trop joli. Pour finir, vous avez du coup aussi son petit journal. Voilà, donc elle est de signe poisson celle-ci. Alors quand vous déballez la poupée, ensuite vous avez sa petite brosse à cheveux qui est bleu pastel. Vous avez également le socle qui se présente comme ceci, donc il est bleu blanc pastel celui-là. Et vous avez également sa partie pour qu'elle se soit de la même couleur. Et voici la poupée, elle est absolument magnifique, elle est trop trop belle. Donc on commence, elle a un petit legging avec des petites paillettes, rose et mauve, trop joli. Un petit soutien-gorge sous forme de brassière en cuir rose, trop mignon. Elle a ensuite au niveau de son visage un rouge à lèvres fuchsia, très très pétant, de la même couleur que ses sourcils. Elle a les yeux bleu turquoise, elle a un fard à paupières mauve sur le dessus et un fard à paupières rose sur le dessous. Elle a également du blush et là, elle a un petit cœur, c'est trop chou, trop mignon. Au niveau de sa coiffure, du coup, elle a une frange laquée bleue avec des petites mèches bleues sur le côté qui retombe. Elle a un côté rose et un côté blond. Donc le derrière,
assez lisse. Sur le devant, elle a des petites tresses, c'est trop chou. Donc elle a également des ongles comme toutes les poupées LOL OMJ. Et du coup elle a un ongle sur deux blanc et un ongle sur deux rose, c'est trop mignon. Et la voici toute habillée, elle est absolument magnifique. Elle est trop belle, j'adore, donc vraiment ses accessoires lui vont magnifiquement bien. Avec sa petite jupe, sa brassière, même ses boucles d'oreilles, c'est hallucinant, les moindres détails, trop jolis. Du coup, quand vous enlevez la poupée, vous avez ici une partie dressing avec un miroir. Si vous enlevez l'autocollant qu'il y a ici, après, vous avez vu sur un vrai miroir. On n'oublie pas de lui mettre son petit sac à dos. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est déjà finie. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la poupée en commentaire. Moi, je la trouve absolument magnifique. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit j'aime. Et puis surtout à regarder mes autres reviews de poupées LOL qui s'affichent juste ici. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !